En ce matin, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie et un privilège encore que nous puissions nous retrouver en ce nouveau matin pour ensemble élever nos voix vers l'Éternel Dieu des armées, pour lui rendre grâce, lui dire merci. Merci pour la nuit qu'il nous a donné d'avoir. Merci parce qu'il nous a parlé au travers des rêves et des songes. Merci tout simplement parce qu'il nous donne encore en ce matin de pouvoir nous tenir debout dans sa présence pour, en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints, pour lui rendre grâce, lui dire le merci de notre cœur, lui dire à quel point nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissant là où beaucoup auraient voulu avoir ce privilège-là de pouvoir élever la voix vers lui. À nous, il nous donne cette chance. Voilà pourquoi en ce matin, il convient que nous puissions lui dire le merci. Mille merci ne suffisent pas pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci parce qu'il renouvelle encore le souffle de vie en chacun de nous. Merci pour nos yeux, pour nos mains, pour nos bouches, pour nos oreilles, pour nos pieds. Merci pour nos cœurs, merci pour nos âmes. Et en ce matin encore, je veux tout simplement, de là où tu es, que tu puisses avoir une pensée pour toutes ces âmes en peine, ces cœurs en souffrance, car accablés par les situations de leur vie, et se laissent remplir de questions, se laissent remplir de peurs, de doutes et d'angoisses. Et en ce matin, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons tout simplement te présenter ces cœurs, te présenter ces âmes attristées, te présenter ces cœurs en peine qui souffrent, pour qu'il te plaise encore, éternel Roi, de déverser encore ta miséricorde en eux, de leur donner, Seigneur, de pouvoir goûter à la joie que tu es, de pouvoir tout simplement embrasser la splendeur et la beauté que tu es. Voilà pourquoi particulièrement ce matin, de là où nous sommes, nous te prions par Marie qui te les présente, qui te présente ses cœurs, qui te présente leurs récipients, qui te présente leurs vases vides, en te disant Rabouni, Rabouni, je n'ai que toi. Rabouni, je n'ai que toi. Où irai-je si ce n'est que toi? Où vais-je aller si ce n'est que vers toi? Rabouni, Rabouni, mon héritage et mon plus grand bien. En ce matin encore, viens toucher mon cœur, viens toucher mes pensées, viens me renouveler, viens redonner un autre parfum à mon âme. Rabouni, je ne désire que toi, je ne désire et ne veux que toi.
toi, je me sens bien. Oui, Seigneur, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je n'ai à craindre d'aucune situation. Près de toi, toutes mes eaux troubles se calment. Près de toi, je suis rassurée de toutes choses. Près de toi, je retrouve la paix et la joie du cœur. Près de toi, je suis enivrée de ton amour. Près de toi, je suis guérie de toute blessure. Près de toi, je me sens tout simplement bien. Alors bien-aimé, de là où tu es, laisse-toi tout simplement porter par la mouvance du Saint-Esprit qui vient te donner un vent d'apaisement, un vent de paix, un vent de joie. Laisse-toi tout simplement envahir par cette fraîcheur matinale, la fraîcheur du Saint-Esprit envoyée par notre divin, notre Seigneur, notre Sauveur, qui vient ce matin t'apporter la consolation du cœur, qui vient ce matin apaiser tous les troubles dans lesquels tu es, qui vient tout simplement te prendre dans ses bras en te disant: mon enfant, je suis là avec toi. Laisse-moi tout simplement te remplir de ma paix et de ce que je suis. Il vient te soutenir en ce matin et tout au long de cette journée, il le fera. Alors que l'espérance soit ton partage, que la confiance te soit encore donnée en ce matin, que l'amour soit ton partage également, car nous n'avons que lui. Que lui. Saint-Esprit, amen. Journée bénie à toi.